Beaucoup de personnes sont en retard dans leur vie parce qu'ils sont mal accompagnés. Ayez le courage de faire face à la situation. Posez-vous les questions pertinentes. Êtes-vous où vous êtes censé être dans la vie? Êtes-vous accompagné comme vous l'auriez souhaité? Êtes-vous en train de vivre une vie telle que vous l'auriez voulu? Ou vous espérez que l'avenir peut-être transformera les choses de manière magique? À vous de voir. Aujourd'hui, le message est très clair, très simple. Le genre de partenaire que vous choisissez dans la vie définit votre altitude dans la vie. Donc votre niveau de vie dépend beaucoup du genre de partenaire de vie que vous choisissez. Que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui vous accompagne, la personne la plus proche de votre vie, déterminera, vaille que vaille, votre altitude dans la vie. Vous savez, on m'a appris que dans la vie, en parlant des femmes, il y a généralement trois types de femmes. D'accord ? Il y a la femme pour une soirée, il y a la femme pour quelques mois, c'est-à-dire la girlfriend, la petite amie, et il y a la femme qu'on épouse. La femme pour un soir, la femme pour quelques mois, la petite amie, et la femme qu'on épouse. Elles ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. C'est-à-dire, elles n'ont pas nécessairement les mêmes atouts, les mêmes capacités, les mêmes éléments, les mêmes principes de vie qui peuvent m'aider, moi, personnellement, à avancer. Je parlerai des femmes plus tard. Aujourd'hui, je vais parler aux hommes. Je pense que, mes chères nièces, je vous prie d'être patientes, d'accord ? Le genre de personne que vous choisissez dans votre vie définit votre altitude. Je ne sais pas avec qui vous êtes dans votre vie. Si vous avez des ambitions sérieuses dans la vie, d'accord, vous voulez, dans un monde capitaliste, devenir quelqu'un, une personne qui franchit les barrières, vous êtes dans l'obligation de choisir méticuleusement le genre de personne qui vous accompagne. Vous désirez accomplir quelque chose d'intéressant dans la vie, vous avez besoin d'une personne qui vous réveille chaque matin pour vous dire « il faut quitter le lit ». Tu es fatigué, je sais, mais il est temps de partir. Pas une personne qui te dira « tu es fatigué, tu sais, j'ai compris, dors, couche-toi ». Non. Vous avez besoin d'une personne qui vous dit « écoute, tu ne tomberas pas enceinte jusqu'à ce que tu aies fini tes études ». Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions très compliquées, parce qu'ils sont accompagnés par des mauvaises personnes. Votre vie est votre vie. C'est bien, on rencontre des gens dans la vie, des gens qui nous aiment et qui nous accompagnent. Mais n'oubliez pas, que vous soyez marié ou pas, vous avez votre destinée personnelle sur Terre, une raison pour laquelle vous êtes né. Comprenez une chose, vous ne naissez pas pour vous marier à quelqu'un. Vous naissez d'abord pour accomplir un objectif qui vous a été établi. Après ça, vous rencontrez une personne qui vous accompagne dans votre destinée, pendant que vous lui apportez des plus dans sa destinée personnelle. Le genre de personne que vous choisissez dans votre vie détermine votre altitude ou votre déclin. C'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Nous sommes tous passés de travers des moments difficiles dans la vie. Ça peut arriver qu'il faut apporter un plus à une personne parce qu'on l'aime, au nom de l'amour. Mais si dans votre vie, vous ne faites que donner à une personne qui ne vous apporte rien, que ce soit mentalement, énergétiquement, moralement ou spirituellement, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous avez besoin d'une personne qui comprend votre direction, qui comprend que vous avez une destinée propre à vous, une personne assez souple d'esprit, une personne pas égoïste, qui comprend que vous avez un sens de vie aussi et qui respecte votre direction de sorte à vous apporter des choses, des éléments, des briques pour vous aider à construire la pyramide de réussite pour laquelle vous êtes né. Vous avez besoin d'une personne qui vous aide à vous améliorer, une personne qui vous dit « Écoute, il est 2h du matin, il faut que tu partes te coucher, on ne peut pas continuer à parler au téléphone. Tu as examen demain. » Il faut que tu partes, au revoir. Une personne qui sait comprendre les limites, une personne qui voit vos erreurs, vos défaillances, vos insuffisances et vous aide à les améliorer, à les atteler, à les tuer. Vous avez besoin d'une personne qui comprend les limites. Celle qui vous dit « chérie, il est temps d'aller travailler. J'aurais bien voulu te garder au nom de l'amour, mais il faut que je te laisse partir pour que tu t'améliores. » Une personne qui sait rajouter des choses dans votre vie, pas celle qui vous empêche à vous développer. Vous avez besoin d'une personne qui comprend que vous avez besoin d'être libre pour bien étudier. Pas celle qui vous force à tomber enceinte pour couvrir ses propres insécurités. Vous avez besoin d'une personne qui comprend que la vie ne tourne pas autour de soi-même, mais aussi autour de la réussite de son amoureux. Vous avez besoin d'une personne qui vous empêche de dépenser inutilement votre argent. Celle qui vous dit, écoute, ton cadeau est génial, c'est super, mais je ne peux pas le prendre. Garde cet argent, tu en auras besoin. Pour tes études, tu en auras besoin pour nous améliorer, tu en auras besoin pour venir m'épouser. Écoutez, quand j'étais plus jeune, en Côte d'Azur, je m'en souviens, je passais du bon temps, d'accord ?
Et nous sommes allés dans une bijouterie avec une femme. Et elle me dit, je ne veux rien du tout. Ne m'achète rien. Cet argent, tu peux t'en servir pour d'autres choses, pour des choses beaucoup plus importantes. Je n'en veux pas. Et ça m'a touché au plus profond de moi. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas donner des cadeaux à vos... Hein? Je ne dis pas ça. Je dis que vous avez besoin d'une femme qui comprend que la vie ne tourne pas seulement autour des cadeaux. Votre altitude dans la vie dépend de la personne que vous choisissez dans votre vie, de la personne la plus proche de votre vie. Elle jouera un rôle très important dans la définition de votre grandeur. Elle vous aidera à peaufiner vos erreurs, à colmater vos imperfections. C'est de ça qu'on parle. Il ne suffit pas de trouver une femme jolie, une femme très belle, très intéressante, séduisante, palpitante. Vous avez besoin d'une femme, une vraie femme ou un homme, un vrai homme. Une personne qui vous dit, chérie, on n'a pas besoin de sortir pour se sentir bien. On est bien ici à la maison. On peut cuisiner, on peut manger. On n'a besoin de personne. Pas une personne qui vous force nécessairement de sortir pour aller faire des choses dont vous n'avez pas besoin, des choses que vous n'aviez pas prévues, des choses qui n'ont aucune importance palpable pour vous accompagner dans votre vie. Écoutez, vous n'avez qu'une seule vie. Prenez-la au sérieux. Une seule opportunité, un seul tour, un seul tir. Écoutez, beaucoup de gens ont du mal à progresser parce qu'ils sont très mal accompagnés. Et ça, il faut l'avouer. Beaucoup de gens sont destinés pour de grandes choses, mais ne peuvent pas y parvenir parce qu'ils sont très mal accompagnés. Leurs épaules sont alourdies par des charges sans importance. La personne qui vous accompagne dans votre vie, celle en tout cas qui est censée faire partie de votre vie, ne sera pas là pour vous dérouter ou pour vous dévier de votre destination. Elle sera là pour vous accompagner, pendant que vous l'aidez à accomplir sa destinée. C'est ça le vrai amour. Je répète, dans la vie, il y a des gens pour une soirée, des gens pour quelques mois et des gens pour toute une vie. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule opportunité, une seule chance. À vous de voir. Écoutez, ce qui est beau à voir n'est pas nécessairement bien à vivre. La crème glacée est plus sucrée que le manioc, plus glamoureuse, plus chère. Mais elle ne finira jamais votre faim. Vous vous lécherez les lèvres pendant quelques temps, en excitation. Mais finalement, vous chercherez quelque chose de plus consistant pour finir votre faim. Faites le bon choix dans votre vie. Maintenant, il faut savoir identifier qui est crème glacée et qui est manioc. Tout en sachant qu'en mangeant manioc chaque jour, régulièrement, on finit par s'y habituer et le goût devient comme la crème glacée. Mais en vous donnant la force nécessaire pour vivre. Quand il faut encourager, ils sont absents. Quand il faut contribuer, jamais présents. Quand il faut cotiser, trop beau.